5 avril 2019. Cette semaine, à Ipomag, la ville de Turceau veut un centre multifonctionnel de 10 millions de dollars. L'ange gardien s'apprête à signer une entente avec Bell Canada pour Internet haute vitesse. Et on parle de la saison touristique 2019 qui se prépare en Outaouais. Bonne émission! D'ici 2021, les citoyens de Toursault pourraient bénéficier d'un tout nouveau centre multifonctionnel d'une valeur de 10 millions de dollars. Sous un même toit, sur le terrain de l'aréna Guy-Lafleur, les citoyens de Toursault retrouveraient un tout nouvel aréna, une nouvelle piscine intérieure, une nouvelle bibliothèque, un gym et même des salles de réception. Ces services sont déjà offerts dans la ville de Toursault, mais les infrastructures qui offrent ces services sont en fin de vie. Euh, on a fait évaluer nos bâtiments existants, autant le centre communautaire, notre piscine municipale extérieure qu'on a, euh, l'aréna. Puis euh, on, euh, les données qui sont sorties, les chiffres qui sont sortis par la firme Raymond Chabot, disent qu'on est mieux d'aller vers une nouvelle infrastructure que de travailler avec euh, des, des vieux bâtiments. Et ces vieux bâtiments, ils peuvent répondre aux besoins actuels, mais selon le maire de Turceau, ils ne répondraient plus aux besoins dans quelques années. La ville vit une importante croissance et le maire veut s'assurer de répondre aux besoins grandissants de la population. Tulso a une croissance de 15 dans les cinq dernières années. On a terminé premier au Québec, 20e au Canada au fin de la croissance. C'est extraordinaire. La croissance, on veut qu'elle continue. Je pense que c'est important. Puis on travaille pour donner les infrastructures pour que ça continue. Puis on veut garder nos jeunes chez nous, ce qui est important pour nous. Quand on parle de garder des jeunes chez nous, il faut être capable de les faire travailler aussi. Mais des, des emplois dans une nouvelle arena, des emplois dans un centre multifonctionnel, des emplois dans une piscine municipale, des emplois dans une bibliothèque, des emplois dans un gym, c'est des emplois pour des jeunes étudiants. Fait que les jeunes vont pouvoir aller au cégep, aller à l'université, revenir chez nous puis travailler chez nous. C'est ce qui est important pour moi. Même si ça fait près de quatre ans que Turceau travaille sur ce projet de centre multifonctionnel, rien n'est encore certain cependant quant à la construction du bâtiment. Il faudra attendre de voir si les gouvernements fédéral et provincial supportent le projet, une décision qui pourrait être rendue dans les prochains mois. Mais selon la directrice générale de la Société d'aide au développement des collectivités de Papineau, le projet a tout ce qu'il faut pour convaincre les gouvernements d'investir. C'est que le projet répond notamment aux attentes environnementales des gouvernements. C'est un projet qui a un impact autant au niveau social, économique et environnemental. Entre autres, au niveau de l'environnemental, on veut proposer un projet éco-énergétique et euh, aussi un, un projet carboneutre. Puis c'est facile parce que le projet touche plusieurs types de, de sources d'énergie, étant donné qu'il concentre des fonctions de piscine, d'aréna, de centre communautaire. Ça, fait que ça va être facile de démontrer qu'il y a une synergie dans la gestion de ces infrastructures-là et surtout dans l'utilisation de l'énergie. Selon Melissa Bergeron, le projet répondra également aux attentes des gouvernements quant à la mise en valeur du bois dans les infrastructures. La ville travaille notamment avec le centre d'expertise SécoBois, spécialisé dans les constructions commerciales de bois, pour optimiser donc l'utilisation du bois dans le projet, puisque c'est l'une des ressources les plus importantes. De la ville de Turso. Dans son budget, dernièrement, le gouvernement fédéral a annoncé que tous les Canadiens seront branchés à Internet haute vitesse d'ici 2030. Mais pour les citoyens de Lange-Gardien, il n'est pas question d'attendre aussi longtemps. C'est pourquoi, à la demande des résidents, Lange-Gardien s'apprête à signer une entente avec Bell Canada pour permettre à 60 résidents, de plus dans le secteur du chemin Lonsdale et ses environs, d'avoir accès à Internet haute vitesse avec la fibre optique. Pour activer le service dans le secteur, Bell estime la facture à 155 000 mais Bell accepte de payer seulement 44 000 111 000 devront donc être payés par la municipalité. Plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire pour la municipalité de payer 111 000 Qui va payer pour ça? Les citoyens. Donc, c'est les citoyens qui vont assumer, tous les propriétaires de terrain dans ce projet-là vont assumer la facture sur euh, l'entente que le conseil va déterminer sur 15 ans ou sur 20 ans. Donc, ça peut peut-être représenter 100 par année, peut-être moins. Ça, on va voir toute l'entente finale répartie avec tous les lots. Ils vont avoir un petit peu de travail. Je pense qu'on nous a demandé de livrer de quoi qu'il y ait une offre. C'est ce qu'on, je pense qu'on qu a réussi à faire, l'entente qu'on a. Puis, euh, on va voir avec euh, les citoyens. Ce sera donc selon une taxe directe d'amélioration locale que ce service sera offert. Seulement ceux qui bénéficieront du service paieront cette taxe. Et malgré cette taxe que les résidents concernés devront payer pour un service internet de meilleure qualité, les résidents feront des économies. Qu'est-ce que vous pensez du projet de la municipalité d'aller de l'avant avec Bell pour offrir internet haute vitesse à ses citoyens dans le secteur River puis Longueuil? Euh, ben moi, je suis très content. Euh, moi, ça va être des économies que je vais faire, euh, que ce soit sur 10, 15, 20 ans. Euh, à toutes les années, je vais faire une économie. Euh, en ce moment, on paye avec ExploreNet, donc une autre compagnie. Euh, c'est à peu près la seule qui est dans le coin. Puis ça me coûte environ là, entre 90 et 100 par mois pour avoir euh, 100 gigs d'Internet. De, 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 donc, c'est assez dispendieux, mettons. Le service pourrait donc être activé dans environ un an et demi et l'entente avec belle Canada sera conditionnelle à l'approbation des résidents. Avec l'arrivée du printemps, plusieurs marchés publics débuteront leurs activités dans les prochaines semaines. Mais très bientôt, c'est aussi le marché mobile de Gatineau qui recommencera à parcourir les rues de la ville. Toujours avec environ une cinquantaine d'aliments différents disponibles chaque semaine à prix compétitif, le camion s'arrêtera là où les gens n'ont pas accès à des épiceries grandes surface. Mais cette année, bonne nouvelle, le camion débutera ses activités presque un mois plus tôt que l'an dernier, soit dès le 30 avril. Il y a des gens qui auraient souhaité qu'on soit en route pas mal plus tôt. Mais là, avec les l'hiver qu'on a eu, comme de raison, on y voit avec euh, les caprices de Dame Nature. Pour une troisième année d'opération, dans le but de toucher toujours davantage de personnes, le marché mobile fera d'ailleurs quelques changements. Il sera dorénavant possible de payer avec une carte débit, mais il faudra encore attendre pour la carte de crédit. Certains emplacements seront aussi modifiés. Il est question notamment de se rapprocher des familles. Cette année, on, on, ben, avec l'expérience des deux dernières années, on va se rapprocher de, de, de centres de petite enfance, parce que. Pour rejoindre les familles sur le territoire. Euh, je pense que c'est un bon moyen. Donc, dans le secteur Elmer, on va explorer cette année la possibilité de rejoindre un plus grand nombre de familles en s'installant à un CPE. Du côté de Boquignam et Masson-Angers, le camion sera toujours présent au même moment, soit le jeudi entre 10h30 et 11h30 à Masson-Angers et entre midi et 13h à Boquignam, toujours le jeudi. Cependant, les emplacements pourraient légèrement changer. Les adresses de ces nouveaux emplacements seront affichées notamment sur le site Internet du marché mobile de Gatineau dans les prochains jours. Plusieurs entreprises de l'Outaouais iront à la rencontre des chercheurs d'emploi. Le 13 avril prochain, au complexe Huissel de saint andré avelin il y aura un salon de l'emploi organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi-Papineau et Action Emploi-Papineau. Une vingtaine d'entreprises seront présentes pour combler un total de plus de 700 postes. Et les entreprises présentes arriveront de partout en Outaouais, puisque dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, les entreprises doivent saisir toutes les opportunités pour combler leurs postes vacants. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois. On ne se le cachera pas si on regarde Emploi Québec. En ce moment, il y a 1000 emplois dans tout l'Outaouais, plus de 200 juste pour l'est de l'Outaouais. Et ça, ce n'est pas nécessairement des emplois saisonniers, étudiants c'est vraiment des emplois temps plein, permanents. Donc, les emplois sont en plein recrutement en ce moment de main-d'oeuvre et en plus, on arrive dans le boom du saisonnier qui commence, des emplois étudiants. Donc, on a des emplois qui vont être au salon comme le Parc Omega, que eux, c'est vraiment plus du saisonnier, c'est plus des emplois d'été. Mais on a la STO, on a le CISO, qui eux, c'est des emplois de temps plein permanents qui dans le fond, sont en recrutement présentement. Donc, euh, les emplois, oui, sont un peu en mode panique. On a des emplois qui nous appellent parce que ça fait des années qu'ils n'ont pas eu affiché des postes. Ils ont toujours eu des piles de CV. J'en ai vu des emplois qui m'ont déjà montré des piles de CV parce qu'on a, on a déjà eu des salons de l'emploi dans le passé qu'on avait arrêtés justement parce qu'il y avait un surplus de main-d'œuvre. Là, on est dans le contraire, on est en pénurie de main doeuvre Bien sûr, toutes ces entreprises sont à la recherche d'employés, mais qu'est-ce qu'elles recherchent plus particulièrement lors d'un salon de l'emploi? Selon Nathalie Séguin, c'est l'occasion pour les employeurs d'évaluer principalement le savoir-être d'un futur employé. On sait que c'est n'est pas le CV qui trouve l'emploi. On n'embauche pas une feuille de papier, on embauche un humain avec des compétences. Donc, l'employeur va oui regarder les compétences, mais au-delà du savoir-savoir-faire, de ce qu'une personne peut faire, il va regarder beaucoup le savoir-être. Donc, la personnalité de la personne, comment elle interagit, comment elle est. Est-ce qu'elle est réceptive aux questions? Est-ce qu'elle répond aux questions? Donc, c'est beaucoup ça parce qu'on engage un humain avec des émotions et une personnalité. Donc, les emplois dans les salons, assez aussi de voir ça là, quand ils jasent avec, avec les chasseurs d'emploi. Tous sont donc invités au salon de l'emploi, les jeunes comme les moins jeunes, puisque c'est aussi une occasion pour les retraités de retourner sur le marché du travail avec un emploi à temps partiel, peut-être. Ce salon de l'emploi, c'est donc le... Samedi 13 avril de 10h à 14h au complexe Wissel de Saint-André-Avelin. Et en prévision du Salon de l'emploi, c'est aussi le moment de faire appel au service du Carrefour Jeunesse-Emploi Papineau ou d'Action Emploi Papineau pour mettre à jour son curriculum vitae. Plusieurs entreprises de la région commencent déjà à planifier leur saison touristique 2019, notamment en ce qui concerne la main d'œuvre, bien sûr. Alors, comment ces entreprises doivent-elles se préparer? Comment doivent-elles s'adapter? On en parle avec la présidente de Tourisme Outaoué. Au printemps, plusieurs commencent à préparer. Leurs vacances d'été, ils commencent à Penser aux destinations qu'ils aimeraient visiter et ça, ça implique que les entreprises touristiques de partout au Québec doivent commencer à préparer aussi leur saison touristique. Alors, en Outaouais, nos entreprises touristiques, à quoi, à quoi doivent-elles s'attendre pour la saison 2019 et également peut-être à quels défis elles feront face? On en parle avec Geneviève Dumas, présidente de Tourisme Outaouais et également directrice générale du Fairmount Château Montebello. Bonjour, je Geneviève Dumas. Bonjour, Florélie. D'abord, on en parlait un peu plus tôt dans l'émission avec le salon de l'emploi qui s'en vient. Hein? Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça va certainement vous toucher dans l'industrie touristique. Par contre, ce sont des emplois saisonniers. Est-ce que vous allez voir réellement l'impact de la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie touristique alors? On, on la sent déjà, la pénurie de main-d'œuvre. C'est pas seulement dans le milieu touristique, c'est vraiment à la grandeur du Québec et à la grandeur des entreprises. Donc, on, il y a moins de main d'œuvre disponible. Évidemment, on le vit aussi euh, un peu partout dans l'Outaouais. Il y a même des restaurants qui ont dû fermer l'an dernier en Outaouais à par manque de cuisiniers. Euh, il y a d'autres qui doivent ajuster leurs horaires, euh, vont fermer deux jours semaine pour donner des congés à leurs employés, euh, réduire les heures de travail et n'ont pas le choix. Mm -hmm. Château Montebello aussi. Oui. On va avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre cet été. On parle d'une centaine d'embauches à faire pour pouvoir passer à travers la saison estivale. C'est quoi les différentes options pour les entreprises, justement, en contexte de pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que ce serait possible, peut-être, d'embaucher des, euh, des employés de l'étranger, par exemple, du Mexique, de la Jamaïque? Je, si je parle pour le Château Montebello, on, on travaille avec l'immigration pour trouver des solutions justement à la pénurie à long terme, c'est des processus qui sont longs. Ça prend des permis, des visas, des, des demandes. C'est très compliqué. C'est d'ailleurs une demande qu'on a faite au ministre, à la ministre, de rendre ça un peu plus facile pour les entreprises. Mais c'est une option qu'on regarde peut-être pour les années à venir. Mm -hmm. Donc peut-être d'employer des travailleurs temporaires. Ce ne serait pas des immigrants comme tels qui sont ici. Euh... Pour plusieurs années, mais ce serait pour une saison. Absolument. Pour la ça, saison d'été, la saison d'hiver, venir nous aider à faire des chambres dans des postes mm -hmm. euh, pour lesquels on pourrait avoir de la main-d'œuvre comme ça. C'est ça qu'on fait. Et on a des cuisiniers aussi qui viennent de France à tous les étés. Ah. Ça, on est capable d'avoir des visas temporaires pour ces gens-là. Donc, c'est très agréable. Et euh, là, je parle pour le Château-Montebello, mais toutes les entreprises de la région, on doit trouver des, des, des moyens. On parlait dans des, de l'immigration, mais il y a d'autres moyens d'aller chercher les gens ailleurs en région. Euh, on se fait compétition aussi. On, on, on parlait de, de l'usine EXO qui a ouvert à maçon qui recrute beaucoup. Mais peut-être que ça va être bon. Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir s'établir dans la région et mmh. qu'un conjoint va travailler là. Peut-être que la conjointe, ou, euh, on va pouvoir les recruter aussi dans d'autres métiers. Mmh. Donc, on, il va falloir qu'on trouve des solutions. À quoi on peut s'attendre comme saison 2019? Est-ce que ça va être une bonne saison touristique pour l'Outaouais? Les facteurs sont très positifs jusqu'à date. Euh, on va s'attendre à une bonne saison. Il va faire beau chaud, donc c'est sûr que ça va aller bien là <laughs> Oui, on se croise <laughs> les doigts, certainement. Oui. On a un contexte particulier hein, en Outaouais, on est tout près d'Ottawa. Est-ce que ça joue en notre faveur pour attirer des touristes ou plutôt ça nous les prend, nos touristes, puis les gens restent vraiment en, à, à Ottawa et ne veulent pas traverser la rivière? On a une excellente coopération avec Tourisme Ottawa et Tourisme Outaouais. On travaille ensemble parce que les touristes qui viennent vont à Ottawa, vont venir aussi en, en Outaouais. Donc c'est très bénéfique d'avoir la capitale à côté de chez nous euh, parce qu'on on, on, on est une porte d'entrée en fait, mm. la porte d'entrée de, du Québec. Euh, mm. C'est excellent pour les touristes. Pour la main d'œuvre c'est un petit peu plus difficile okay. parce qu'on compétitionne contre les salaires d'Ottawa qui sont un petit peu différents. Et on compétitionne aussi avec le gouvernement qui euh, a des bons, euh, des bons emplois à offrir. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de, de, de gens de la région ici qui vont traverser pour aller travailler. Pour la saison 2019, est-ce qu'on travaille actuellement sur certaines campagnes publicitaires, sur cette, certaines stratégies pour attirer encore plus de touristes chez nous? Oui, euh, autant au niveau de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec euh, qui a fait un, une très belle... Euh, Publicité sur l'Outaouais, justement. Euh, euh, mais il y a aussi Tourisme Outaouais qui a des campagnes euh, pour notre région, amener les touristes. Et il y a aussi la Petite Nation qui, qui a lancé sa signature touristique. Euh, donc, chaque euh, région euh, de l'Outaouais ou euh, de la Petite Nation, on va travailler à faire euh, des campagnes pour attirer les gens pour venir nous visiter. Merci beaucoup, Geneviève Dumas. On vous souhaite évidemment une excellente saison touristique à toutes nos entreprises de la région. Absolument. Merci, Floralie. Bonjour, Jessie Laflamme. Bonjour, Floralie. La fin de semaine dernière, les 29 et 30 mars dernier, c'était la finale locale à Hormidas-Gamelin de secondaire en spectacle. Il y avait un jury, alors on, met, on connaît maintenant les gagnants oui. qui passeront à la prochaine étape. Oui, prochaine étape qui se déroule le 10 et 11 avril au Cégep de l'Outaouais. Et en fait, c'est 21 numéros qui étaient présentés pour secondaire en spectacle. Et il y a un groupe qui s'appelle Jazzish qui a gagné le prix et du public et... Du jury quand même il a remporté les deux prix. C'est un groupe de six musiciens et parmi eux il y a Orlando Morin Marchignoc qui a gagné aussi en plus un autre prix, l'autre prix du jury avec sa, son amie Rosalie Serré. Les deux jeunes ont composé une chanson sur le thème de la nature et de en fait c'est comme un message qu'ils lançaient à leur mère dans lequel ils s'excusent de certains comportements. Les deux les deux adolescents sont très sensibilisés à l'environnement donc ils ont fait des liens. Ils ont remporté le prix donc sans va à la finale régionale. Il y a aussi un prix hors concours qui a été remis à Chloé Mainville pour un numéro de danse sur l'anxiété. Elle a voulu le représenter parce qu'elle en souffre depuis quelques temps. Il y a également les prix Ariane René qui a gagné jeune technicien, Shelby jeune organisateur et Nicolas Robitaille jeune journaliste. Et on rappelle que les finales pan québécoises donc tous les gagnants du Québec vont se retrouver à Armande Gamelin du 30 mai au 2 juin prochain. Et toujours à Ornidas Gamelin, ce qu'il y aura bientôt, c'est le spectacle Multitude. Oui, Multitude 26, donc 26e année. C'est sous le thème Je t'aimerai toujours, 17 et 18 avril à 19h. Et c'est le fun parce qu'on va pouvoir revoir les jeunes de secondaire en spectacle qui vont reparticiper, mais de façon un peu différente parce que le thème est Je t'aimerai toujours. Et en fait, c'est une ado qui, qui a un petit peu de misère avec sa vie. Parce que sa mère l'empêche d'aller au bout de ses rêves. Donc, elle accumule des conflits à entoure d'elle avec ses amis, son travail, ses amoureux, son amoureux. Et on verra finalement sa vie en général. Et est-ce qu'elle va réaliser son rêve? Est-ce qu'elle va trouver une solution à ses problèmes? Bien, il faut aller voir Multitude pour répondre à ces questions. Le Montebello Rock a un nouveau oui? partenaire. Nouveau partenaire, Montebello Rock, qui va se dérouler le 14 et 15 juin 2019. Donc, ça s'en vient. Olivier Primo est le nouveau partenaire, donc euh, propriétaire du Beach Club, très connu pour la musique électronique. On rassure les festivaliers de Montebello Rock, il n'y en aura pas. Euh, ils ont tenu à le préciser. En fait, Olivier Primo va s'occuper du côté commanditaire, euh, logistique et gestion des opérations. De son côté, Alex Martel, le fondateur, va continuer à s'occuper euh, de la programmation. Programmation qui est méconnue encore pour l'instant. On sait qu'il va y avoir 30 bandes et on sait que Teenage Battle Rocket sera là parce qu'ils l'ont annoncé sur leur page Facebook. Alex Martel dit qu'il lui reste quelques confirmations pour dévoiler le tout, donc ça devrait suivre là assez prochainement. Il y a du changement aussi pour le Festival de Montgolfière de Gatineau. Oui, Festival de Montgolfière de Gatineau qui a changé son image de un nouveau logo, augmente son budget aussi, passe de 4,4 millions à 6 millions. C'est pas rien. Nouvelle flotte de manège et cette année, il y aura deux scènes, donc une avec des artistes québécois de haut calibre avec international et une autre avec des artistes québécois de, de renom quand même. Et tout le plan du site change, donc c'est à voir. Le dévoilement de la programmation va se faire le 24 avril et possibilité d'acheter des billets le 25 avril. Au Belga, il y a Alain Lévesque qui expose. Oui, ce qui se déroule jusqu'à mi-avril. Alain Lévesque est un artiste de Montebello qui est reconnu pour l'art automobile. Donc toutes ces œuvres mettent en relief finalement une automobile c'est dans un futurisme italien, artiste très reconnu dont on entendra certainement parler parce qu'il a plusieurs projets en cours, mais en attendant, on peut aller voir au Belga, si l'entrée est gratuite, ces œuvres sont sur place. À Papineauville, on peut aller rire, ce sera la soirée mort de rire. Oui! Chez 19 avril à 20h30 à Papineauville, Bar chez Mo. Alex Bizayon, qu'on qui est en plein rodage partout au Québec en ce moment pour son spectacle Balloon. Et qu'on peut voir, c'est dans la série. En fait, il est l'animateur, idéateur et producteur de, du, euh, du podcast Répète pas ça. Et c'est aussi l'animateur des, euh, des Soirées juste pour rire à Gatineau, donc qui sera de, à Pepinouville le 19 avril. On fait un rappel également pour le festin de livres, ça sent bien, ça sent bien à saint andré ablin Oui, les 27 et 28 avril prochains, salon du livre un peu moins conventionnel qu'on connaît. On rappelle qu'il y a la création des livres libres cette année. Les gens peuvent acheter un livre au coût de 5 et le remplir comme bon leur semble et aller le mener lors de ces deux journées où il sera possible de rencontrer aussi des auteurs et rencontrer des, des différents kiosques et des écrivains. On parlait de tourisme avec Geneviève Dumas. Eh bien, il y a un rendez-vous particulier qui arrive très bientôt. Puis, oui. euh, t'en en, es responsable. Oui, j'en suis responsable en tant qu'agent de développement rural, volet tourisme, justement, à la MRC Papineau. C'est une grosse journée porte-ouverte qui se déroule le 4 mai au complexe Oussel de Saint-André-Avelin. La majorité des attraits vont être sur place pour des kiosques, mais aussi pour offrir des ateliers. Donchou va offrir un atelier de, de, de confection de chocolat, euh, Kenok qui va offrir un atelier d'école de pêche à la mouche. Donc vraiment les attraits vont être là, ça va être très dynamique, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 4 mai prochain. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour, Daniel Lafortune. Bonjour, Floralie. Tu nous présentes aujourd'hui deux films. D'abord, un drame, hein? « Sauver ou périr ». Un drame qui suscite de l'espoir à la fin. OK. Qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, ce film-là, qui a été présenté au dernier Festival du film de l'Outaouais, je te dis tout de suite, il a gagné deux des quatre prix. Donc, Donc je m'attends un... à une cote élevée. Part. Euh, moi, je ne faisais pas partie du jury, mais je chapeautais le jury étudiant. Et euh, eux aussi qui ont choisi ce film-là. Et j'étais content. Donc, c'est l'histoire de Franck, un pompier qui, euh, à partir de 18 ans, est devenu pompier. Et, et la particularité des pompiers en France, c'est qu'avec leur famille, ils vivent dans la caserne. Ça, tu ne savais pas ça. Non. C'est une, une réalité il... complètement différente. Oui, c'est un jeune pompier, euh, tout de même, qui vient de suivre sa formation pour devenir, en fait, euh, lieutenant, donc euh, s'occuper d'une brigade. Et euh, à sa première occasion, comme lieutenant, bien, il essaie de... de... C'est un gros feu. C'est un gros feu dans un entrepôt. Euh, et euh, il va à l'avant-garde de, euh, de ses acolytes et puis va euh, être... Euh, brûlé, euh, sauvé euh, à la dernière minute, et euh, il est en combat pendant huit semaines, et il se retrouve euh, après ça à être habilité petit à petit, et on s'aperçoit que son visage a fondu. Mm. Donc euh, là, la principale partie de la thérapie, c'est de reconstruire tout le corps, ça s'échelonne sur plus d'un an, mais après ça, c'est échelonné, et travailler sur l'estime de soi. Mmh. Ça, ça occasionne des, un un petit peu dans sa relation avec sa, sa femme, euh, qui est interprétée par Annick euh, du Moustier. Euh, et lui, Pierre Niné, joue de façon magistrale ce personnage-là. Euh, séparation du couple, mais il faut que le pompier reprenne confiance en lui et se trouver des buts à l'intérieur de lui mmh. seul. Donc ça change, un, une vie. ça change une vie et c'est toute cette démarche-là qui est entreprise par, par Franck et on la suit avec lui, pour lui et en espérant que sa relation avec sa, son ex-conjointe revienne euh, au beau fixe. Quoi. Alors c'est un très beau film, un, bon, un drame humain. Euh, on est moins... Euh, nous, dans une petite ville, on voit moins ça, mais dans les grands centres, il y a des, des incendies majeurs qui blessent des gens. Il y en a des pompiers qui ouais. périssent. C'est très, extrêmement bien filmé, euh, bien réalisé, et l'interprétation des deux personnages principaux, magnifique. Donc, euh, mmh, donc, les, donc. Les, donc, les deux jurys ont accepté et voté pour euh, ce meilleur film. Et moi, j'ai donné la note de 8,5 sur 10. 8,5 sur 10, on ne voit pas ça souvent à Infomag avec Daniel <rire> Lafortune. <rire> Daniel, on passe maintenant au deuxième film que tu nous, que tu, dont tu veux nous parler. Mais cette fois-ci, c'est une comédie. On passe du drame à la comédie, quelque chose d'assez drôle. Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu, la suite de qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? C'est un peu, oui, c'est la même euh, famille euh, interprétée par Christian Cl Clavier qui est un... Un, gars, un, je dirais, un Louis de funès de la période 2000. Avec sa femme, lui, il joue le personnage de Claude et sa femme, Marie. Tout va bien, au beau fixe, avec leurs quatre filles et les quatre jeunes et les petits-enfants. Mais il y a certains des jeunes, parce qu'ils sont d'ethnies de, 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 différentes, il y a un juif, il y a un arabe, il y a un asiatique. Et il y a un Africain. Donc, ça amène des situations tangibles, mais très humoristiques. Alors, parmi ceux-ci, on tente de déménager, de s'en aller de la France, parce que la France, euh, c'est un milieu qui est très dur pour les gens qui ne sont pas des Français de souche, disent-ils. Ce que mon femme, Marie-Claude, c'est tenter de les rapatriés, même s'ils si ne sont pas encore partis, de conserver euh, en fait leurs filles sur place. De les convaincre de rester. De les convaincre et surtout d'aller vers les, euh, les jambes Alors c'est là que se déroulent toutes les situations les plus cocasses, les plus humoristiques. Donc euh, moi, j'ai préféré celui-ci au premier euh, parce qu'on sort du lieu familial qui est en fait en, en campagne en Touraine. Et euh, c'est comique parce qu'on rencontre des gens de la France, euh, vraiment la France centrale, les vrais Français, les vrais. dans leur relation avec euh, des étrangers. Mais ce ne sont pas des étrangers. Alors combien on donne à Spine? ce film? Celui-là, par humour, on donne 7 sur 10. 7 sur 10. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous d'avoir été là. De mon côté, je dois vous avouer que c'est ma dernière émission Infomag. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous accompagner depuis septembre et de côtoyer une si belle communauté dans la Basse-Lièvre. Alors la semaine prochaine, on vous présentera en remplacement d'InfoMag l'émission spéciale sur la Maison d'Océane. Regardez ça.